c'est incrusté. C'est complètement incrusté. C'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Bonsoir. C'est moi, Robert. Le Robert de l'annonce. Ce soir, c'est toi, ma proie. Une fille, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé pour votre heure. Hein. C'est pas grave. Il va avoir des occasions pour se rattraper, le Robert. D'habitude, c'est les femmes qui font attendre les hommes. Quand j'étais inquiète. J'étais très inquiète. Je me suis même demandé s'il lui était pas arrivé quelque chose, Robert. Avec toutes ces tracailles qui courent dans les rues, puis tous ces détrousseurs de bourse. C'est ma secrétaire, elle est souffrante. Il y a une infection urinaire, ça fait 3 jours que ça dure, alors forcément. Je suis pas dactylo, moi. Je m'occupe du garage près de la piscine. À côté du supermarché, en bas de la côte de Bonnier. Ah bah oui. Si vous cherchez une bonne occasion, c'est chez Robert qu'il faut aller. Et puis, Robert, il a un service après-vente irréprochable. Il y a des gens qui viennent de l'autre bout du département pour m'acheter une voiture. Mon truc, c'est le diesel. La soirée promet d'être longue. Et vous, Solène, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis au chômage. Je cherche un boulot de secrétaire à mi-temps. Parce qu'à plein temps, ça fait vraiment trop. Et puis, je suis pour le partage du travail. Parlez-moi encore de vous. Moi? Moi, j'aime bien le ciné, les sorties, les musées. L'important, je crois, c'est la complicité entre deux êtres. Cette multitude d'instants épanouissants côte à côte. Albert, tu nous joues quelque chose de tendre pour les amoureux, là? Et 2 gin fizz pour les tourtereaux. J'ai réservé dans un restaurant à 2 pas d'ici. Le cadre est très sympa, très intime. La patronne est une amie à moi. C'est drôle, je vous imaginais pas du tout comme ça. Comment vous m'imaginiez? Brune. Je sais pas pourquoi, je vous voyais plutôt brune. Mais moi qui me suis fait une teinture pour vous, Bob. Je peux vous appeler Bob? Moi non plus, je vous imaginais pas comme ça. Je m'attendais à quelqu'un de plus robuste et de moins attentionné. Bon, et puis je vous l'avoue, j'avais peur de l'annonce. J'avais peur qu'elle crée comme un malaise entre nous, et en fait, pas du tout. Pas du tout, je me sens à l'aise avec vous, Bob. C'est la première fois que vous passez une annonce. Oui.
la solitude. Et puis je me suis dit que même si je pouvais pas rencontrer l'homme de ma vie, ça pouvait me permettre de rencontrer d'autres types sympas. Des types ouverts en un certain sens. C'est des gens que j'aime dès le premier regard. Comme si je les connaissais depuis toujours. Vous, Bob? Si, si, ça m'arrive. Sortant engouement inexorable. Une passion subite qui exacerbe les sens. Une sensation de plénitude. Accompagnée d'une pulsion sexuelle. Incontournable. Je connais ça, je suis plutôt impulsif. Vous savez, je connais un endroit. Un endroit très agréable où on peut s'amuser à regarder les étoiles. C'est juste là-bas. C'est près de la falaise. Faut prendre le petit chemin qu'il y a là-bas. Sous les pins. Surtout, c'est dialoguer, comprendre le monde, les gens. L'important, je crois, c'est la complicité entre deux êtres. Multitude d'instants épanouissants côte à côte. Méfiez-vous des fausses blondes qui vous font le grand jeu sur la même longueur d'onde. C'est le serpent qui se mord la queue. Je te paie un coup, faut que ça le fasse. Je tire un coup, pile ou face. C'est l'arroseur arrosé, c'est le dragueur enculé. Méfiez-vous des fausses blondes qui vous font le grand jeu sur la même longueur d'onde. C'est le serpent qui se mord la queue. Je te paie un coup, faut que ça le fasse. Je tire un coup, pile ou face. C'est l'arroseur arrosé, c'est le dragueur enculé.